Existe-t-il un risque de rupture des prothèses mammaires? Non, une rupture n'est pas un événement vraisemblable, comme le filment les médias. Comme vous voyez, je sers les prothèses en ce moment, même si je les creusais, mais rien ne se ferait pas. Aucune déformation, parce que ces prothèses sont des produits de haute technologie. Donc, c'est quoi l'événement, dit l'explosion? On peut l'expliquer comme suivant. Durant de l'intervention, après la pose d'implant mammaire, la zone est enfermée par la suture. En ce moment-là, à cause d'une piqûre accidentelle, une brèche de l'enveloppe peut occasionner une fuite inaperçue pendant un certain temps. Suite à une brèche de l'enveloppe, même minime, la rupture se caractérise par un dégonflement, souvent total, rarement partiel, de manière plus ou moins rapide. La rupture ne peut donc pas passer inaperçue. De plus, le risque de migration du gel de silicone, même en cas de rupture, est devenu de cette façon très faible aujourd'hui. Mais ce n'est pas une exclusion. Il faut recourir au chirurgien pour l'intervention nécessaire. Comment peut-on apercevoir une rupture? En fait, nous renvoyons ce type de prothèse à l'association concernée pour une analyse détaillée. Le résultat, le plus souvent rencontré, est la brèche de l'enveloppe par la piqûre. Pour 15%, la raison reste inconnue. Jusqu'à présent, ce n'est pas un événement fréquent, donc c'est très rare.